Quatre signes. Quatre signes qui vous montreront que votre ex, ouais, votre ex là, il a essayé de vous remplacer, hein. Il a essayé de vous remplacer, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu vous remplacer. Quatre signes. Et les filles, je vais vous aider. Allons-y. Parfois, vous êtes dans une relation, du jour au lendemain, votre gars vient, il vous dit c'est fini entre nous. C'est fini entre nous, je ne veux plus de cette relation. Et quand vous lui demandez, mais chérie, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Il vous dit carrément non, c'est tout simplement parce que je ne ressens plus ce que je ressentais auparavant ou blablabla. Il vous donne des raisons banales. Il vous donne des raisons banales, des raisons qui ne font pas de sens, qui n'ont pas de sens. Et pourtant, pour vous, vous pensiez que tout allait bien. Tout allait bien, donc il vous donne des raisons banales. Et du coup, vous vous retrouvez au carrefour, toute seule, vous commencez à vous culpabiliser. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je n'ai pas? Les filles. Et après quelques 1, 2, 3 mois, le gars revient encore, il commence à vous envoyer des messages. De nulle part, il vous envoie un message. Comment tu vas? Vous savez comment vous allez répondre? Je vais très bien. Merci. Vous savez pourquoi? Parce que le gars a essayé de vous remplacer. Le gars a essayé de vous remplacer et il n'a pas pu. Peut-être qu'il a pu remplacer le sexe qu'il avait avec vous, dans la manière dont tout se passait dans la chambre. Mais il n'a pas pu remplacer la femme que vous êtes. Une femme qui va parler au roi qui est en vous. Une femme qui va parler à l'homme que vous êtes. Une femme qui va vous soulever, qui va vous aider, c'est-à-dire qui va vous soutenir lors des moments difficiles. Une femme qui va être là parce qu'elle veut, parce qu'elle vous aime, parce qu'elle veut vous voir évoluer, faire du bien parce qu'elle veut construire avec vous. C'est pas facile de trouver ce genre de femme de nos jours. Donc quand un homme casse, c'est-à-dire quand il brise une relation, quand il vous brise le cœur de nulle part, comme ça, pour rien, à cause des raisons banales, et après un mois, deux mois plus tard, il veut revenir, les filles, c'est pas parce que il n'a pas pu vous remplacer, c'est parce qu'il n'a pas pu remplacer la femme que vous êtes. Quand on trouve pas ce genre de femme tous les jours, les filles, ne venez pas sur les commentaires dire que je suis en train de dire que donc il ne faut jamais pardonner son gars. Non, je suis pas en train de le dire. Si vous êtes dans une relation et puis le gars termine tout et après un mois, deux mois, il revient vous dire que je suis désolée, j'ai fait une erreur et tout, si vous voulez pardonner, si vous voulez pas pardonner votre gars, allez-y, pardonnez ce gars. Et peut-être que oui, il a vraiment fait une erreur, vous allez travailler sur cette erreur, ensuite vous allez continuer votre relation sans problème. Mais je vais vous dire ceci, la plupart des temps, quand un homme ou même une femme termine une relation, un, deux, trois mois plus tard, celui-ci revient et il revient dans vos messages et vous dit tu vas bien. Il y a une autre manière que les hommes utilisent souvent pour revenir vers les femmes. Quand il a essayé de vous remplacer et il n'a pas pu, vous voyez, et maintenant il essaye de jouer la victime et maintenant il veut être votre ami. Il commence à vous faire des messages du genre est-ce que nous pouvons être des amis et tout. Les filles, il n'est pas en train de revenir en tant qu'ami parce qu'il vous aime. Il revient en tant qu'ami parce qu'il veut vous utiliser. Parce qu'il veut vous utiliser, que ce soit dans la chambre, que ce soit financièrement, je n'ai aucune idée. Donc, il faut être éveillé et ne donnez pas cette chance, cette disponibilité-là à cet homme de revenir et de vous utiliser et de vous briser le cœur pour une deuxième fois. Voici une autre bonne manière d'observer que celui-ci est en train d'essayer de revenir car il regrette ce qu'il a fait. C'est quand il va dans vos pages sociales, dont les Facebook, Instagram, il commence à aimer vos photos. Il aime 60, 100 photos, mais il ne vous fait aucun message. Il ne vous appelle pas, mais il laisse sur vos photos tous les jours, en train d'aimer les filles. Il regrette ce qu'il a fait, il veut revenir. C'est une manière de vous parler, mais vous ne répondez pas. Vous ne répondez absolument pas. Comme je vous ai dit auparavant, quand quelqu'un brise une relation, quand quelqu'un finit votre relation, hein, ne bloquez pas cette personne dans vos réseaux sociaux, hein. Laissez cette personne la voir votre joie. Laissez cette personne voir votre joie. Et aussi une autre chose que les hommes font quand ils ont essayé de vous remplacer et ils n'ont pas pu, et ensuite ils ont essayé de revenir et ils n'ont pas pu vous reconquérir, ils s'en vont et ils se mettent avec une femme qui vous ressemble. Une femme qui s'habille comme vous, qui se coiffe comme vous, qui est à peu près comme vous. Malheureusement, cette femme n'est pas vous. Cette femme, ce n'est pas vous. Ça peut être un double gang, comme on dit. Une femme qui vous ressemble typiquement du tic au tac. Mais ce n'est pas vous. Il ne pourra jamais vous remplacer. Car lui-même, il sait qu'il a fait une erreur grave. Une erreur qui ne pourra pas se racheter. Car une femme comme vous ne vient pas tous les jours. Ça ne se voit pas tous les jours. Ça ne se ramasse pas en route. Pas au carrefour. Et la dernière des choses que les hommes font quand ils ont essayé de vous remplacer et ils n'ont pas pu, ils commencent à mettre des rumeurs dans la rue. Ils commencent à dire aux gens comment vous n'êtes pas bonne au lit, ou comment votre vagin est élargi, ou comment ci ou ça. Surtout,
quand il entend que vous avez un autre homme dans votre vie, ou comment après la séparation, vous vous êtes remis ensemble, il a écrasé, il a fait ci. Il commence à mettre des rumeurs qui ne sont même pas vraies, à dire des choses qui ne sont pas vraies, les filles. Ça veut dire qu'il a essayé de revenir, vous avez dit non. Et maintenant que vous avez dit non, vous avez avancé, vous êtes heureuse avec quelqu'un d'autre, ça le fait mal, ça le pique. Il commence à mettre des rumeurs qui sont fausses. Ne laissez pas cela vous déstabiliser, ne laissez pas cela vous faire peur, les filles. Concentrez-vous sur vous et sur la personne que vous êtes actuellement. Ignorez ce qu'il est en train de dire. Si vous, vous savez que ce n'est pas vrai, alors ça ne devrait absolument pas vous déranger. Pas du tout. Donc voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. C'était juste pour montrer et dire aux femmes comment reconnaître qu'un homme a essayé de la remplacer et il n'a pas pu. Et il n'a pas pu. Voilà, sur ce, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Instagram, Belle Bijou Officielle. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Je vous embrasse, je vous aime. On se dit à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Gros bisous à tout le monde. Love you guys. Bye!